Il en a profité pour glisser sa main entre mes fesses, et ce, malgré mon manteau. En effet, Camille, 14 ans, au moment des faits, agressée par un homme dans le tram, ne portait pas une mini-jupe ou une petite robe, mais cette tenue, que l'on pourrait qualifier de banale ou d'ordinaire. Anna, 18 ans, portait ce pantalon noir et cette veste en jean. Elle a été agressée par 4 mecs en moins d'une minute. Justine, 21 ans. Linda, 34 ans, Lali et d'autres portaient une petite robe ou un t-shirt à bretelles. Toutes agressées, insultées ou harcelées dans la rue ou dans les transports publics. 17 tenues, 17 témoignages poignants. Avec cette exposition, l'association Stop Harcèlement de rue Bordeaux veut démontrer que la tenue n'influence ni ne justifie l'agression. Même en étant en pantalon, on peut se faire harceler, donc c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Les hommes aussi sont sensibles au message. Si une femme veut porter une robe, elle doit porter une robe et on s'en fout. Enfin, ça concerne personne d'autre qu'elle. Et peu importe comment les filles vont s'habiller, comment elles vont, il y aura toujours des choses. Et ça, il faut effectivement agir, il faut dénoncer. Et c'est très bien, moi j'encourage ça. Ce sont bien les faits eux-mêmes de harcèlement et d'agression qui choquent surtout les étudiants. On s'en rend compte à la fac, autour du campus. Il y a quand même pas mal de problèmes. Et le fait de mettre comme ça les vêtements qui ont... Voilà. Ça, je trouve que c'est plus touchant. Plus parlant. Voilà, plus parlant. Face à son succès, l'exposition pourrait devenir itinérante et rejoindre dans un premier temps le campus Carrère de Bordeaux.